Oui? Yo, gros. On vient voir Takako. Nat, Cathy, yes! Vous avez le matos? T'inquiète. Brosse à dents. Sac de couchage. Popcorn. 8 heures de MP3. Romance vampire en Blu-ray. Et... pyjama! On va se faire une soirée nana! Takako! Nat! Cathy! Hubert! Hubert? C'est une soirée pyjama. Traduction pour le cochon. Interdit aux garçons. Ah oui, bien sûr, je plaisantais. Tu dors là? Oh, ça tombe bien, on va squatter ta chambre. Yes! On va s'éclater comme des malades! Oh, trop dément. La nouvelle Yakamachu 500 a un nouveau pot hybride en titane renforcé. Bouge pas! Trop bon ton guacamole, Nat. Tu bouffes mon masque de beauté, là. Bon, je vais chercher de quoi manger avant que Cathy avale notre stock de maquillage. Je cherche mes lentilles de contact. Hubert, t'as jamais porté de lentilles de contact. Tant mieux! En voilà une bonne nouvelle. Sinon, ça va? Tout se passe bien? Un petit creux? Merci! Salut! J'ai trouvé ma taille! En solde, pas cher! Salut! Moi, c'est Patricia! Patoche pour les intimes! Qui veut essayer le mascara au chamallow? C'est tout nouveau, ça vient de sortir! Hey, bitch, volez les filles! Sortez les maillots, c'est le moment! Hubert, t'es lourd, on a dit non! Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas besoin de vous d'abord! Moi aussi j'ai des amis! D'ailleurs, ils m'attendent en bas, j'y retourne! On s'excuse d'avance! On va faire un peu de bruit! Allez-y, vous gênez surtout pas! Ah ah ah! Qu'est-ce qu'on s'éclate! Je passe vraiment une excellente soirée avec mes nombreux amis! À la nôtre! Ouais! Oh, merci Hubert! T'es vraiment le meilleur copain du monde! Oh, t'es sûr comme un chef! Change rien, mec, on t'adore! Merci les gars, ça fait chaud au cœur! Elles vont être vertes! Je parie ma cravate qu'elles vont pleurer pour venir jouer avec nous! Oh, ça va, hein? Pas la peine de me regarder comme ça. Je sais très bien ce que vous pensez. Si vous croyez que je vais les supplier de m'inviter à leur soirée, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Inutile d'insister, j'ai ma fierté, moi. C'est sympa, Jean-Luc. Toi, au moins, t'es un vrai pote. Hubert? Dis-moi que t'es consciente, parle à un coussin, s'il te plaît. Ah non! On avait dit pas de garçon! Mais on peut pas le laisser dans cet état! Si on l'accepte à notre soirée, on piétine des années de combat pour la liberté des femmes. C'est hors de question! On pourrait pas faire un mini break dans la lutte contre l'oppression des mâles dominants? Faut pas se relâcher! Si on dit oui une fois... Yes! Merci les copines! Ok, juste une fois alors! Après, on reprend la lutte! Bien dit, les filles! Atelier bracelet brésilien, ça vous branche? Pour garder un super souvenir de cette soirée. On fait le bilan des tendances pour l'été, hein? Customiser son jean avec un sac en plastique, tous les trucs des grands créateurs. On se raconte nos histoires de cœur, alors. Un yaourt 0%?
Te fatigue pas, tu fais tâche. Un gars dans une soirée pyjama, c'est comme une cornemuse dans un concert de rock. C'est pas réglementaire. Vous avez raison, les filles. Ça se fait pas. Enfin, t'es raisonnable. Mais non, justement. On n'est pas raisonnable. On est des rockeuses. Les règles, on s'en balance. Mais vous imaginez le truc? La seule soirée pyjama au monde avec un garçon dedans. C'est limite choquant, mais c'est ça qui est bon. Ah, faut bousculer l'ordre établi. Réveillez-vous! On est des rebelles ou pas? Gagné! Yes, poteau! Vous le dites si on vous dérange, hein? Allez, la belle, hein? Puisque vous êtes des filles, on vous laisse 3 points d'avance. Tu vas les vexer. 3 points d'avance pour nous, parce que j'ai le désavantage de faire équipe avec un garçon. Ok, prêtes les rebelles. Dans la famille Méduse, je voudrais le père. Merci. Et maintenant, je voudrais... C'est l'heure d'aller se coucher. On vient juste de commencer. Ta ta ta. L'avenir appartient à ceux qui se couchent tôt. Bonne nuit. Ok. Aïe. Déjeuner de monsieur est servi. Dis donc, t'es une vraie marmotte, hein? Ça fait déjà 2 minutes que tu roupilles. Tu plaisantes? Bah non. Effectivement, biologiquement parlant, les mouches ne dorment jamais. Et c'est un tort. Parce que le sommeil, c'est la santé. Et si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Pigé? Mais je suis en pleine forme. T'es sur les nerfs. C'est pas bon. Allonge-toi là-dessus. Mmh? Voilà. On n'est pas bien comme ça? Si. Parfait. Allez, bonne nuit. Oups! Ah, j'ai oublié de me laver les dents. Fais de beaux rêves. Attends, j'ai envie de faire pipi. Ah, ça va mieux. Allez. Yes. Hubert, j'ai soif. Viens avec une tilleule pour mademoiselle. Ça ira comme ça. Oh, elle est hyper bonne. Tu viens? C'est plus l'heure de barboter. Au lit. Ok, mais tu me racontes une histoire. Et voilà comment le grand méchant loup fut bien attrapé par... le plus malin des 3 petits cochons. Bien fait! Si j'avais été là, il aurait pris encore plus cher, tu peux me croire! Je vais mettre tes batteries à plat, ma cocotte. Tu me fais 50 fois le tour du salon pour commencer. Six. J'en connais une qui fera moins la maligne tout à l'heure. Stop! Comment tu te sens? J'ai des picotements dans les mollets. C'est la fatigue, tu crois? Je vais dormir. Tu ne mets pas dans des états pareils.
et on va trouver une solution. Y a rien à faire, hein. T'es une vraie pile atomique. Hubert, t'as pas le droit de laisser tomber. Y a toujours un moyen. Ben voilà, c'est quand même plus sympa dans un vrai lit. C'est la première et la dernière fois que je cède à tes caprices. J'ai droit à une petite bise avant de dormir. Non, chacun de son côté. Comme tu veux, ça me dérange pas. Tu trouves pas? Merci, Hubert. Oui, de rien, hein? C'est hyper doux. C'est quoi comme matière? Pur soie de cochon, ma chère. Wouah! Trop la classe! N'est-ce pas? C'est de famille, ma mère avait la même. Excusez, c'était juste pour vous prévenir du dérangement. C'est bon! Allez-y, les gars! Chabou! Chabou!